Dans Langonier, à Mouila plus précisément, la récente destruction du pont qui mène vers le lycée Valmarie va davantage compliquer la situation des élèves qui s'y rendent. Surtout que la rentrée académique 2014-2015 se pointe à l'horizon. Selon le maire de la ville de Mouila, c'est une situation déplorable et qu'il dénonce. La destruction du pont qui mène au collège Valmarie depuis le mois de mai pose problème quant à la reprise normale des cours dans cet établissement. Le ministère des Travaux publics, informé depuis lors, ne fait rien et ne s'en émeut pas outre mesure. Une solution palliative semble avoir été trouvée cependant, dangereuse pour la vie des enfants, car l'ouvrage réalisé en contrebas sera inondé dès les premières pluies. Pour Pierre Clavin à Anga Moussavou, les provinces devraient bénéficier du pouvoir d'autonomie afin de résoudre certains problèmes sans penser au gouvernement. Je lance un appel au président de la République. Il a prêté serment d'être équitable envers tous. À quand la dotation des bus pour ma ville, comme pour toutes les autres capitales provinciales, pour y améliorer le transport des populations et des élèves? Le maire de Mouila propose la provincialisation afin de permettre à ceux de l'intérieur du pays de participer au développement de leur localité.